Après mon entretien avec Jean Sérien, je suis finalement passé au tribunal en début d'après-midi. Mon bureau était couvert de post-it de ma secrétaire. J'ai allumé mon ordinateur, et les messages se sont affichés en cascade. Mais je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. J'ai fait une recherche sur l'organigramme du tribunal, et j'ai rapidement trouvé ce que je cherchais. Le département des litiges immobiliers était dirigé par un certain Bertrand Zactyon. Je ne le connaissais pas personnellement, mais je l'avais déjà croisé dans les couloirs. Son bureau se trouvait au 4e étage. J'ai décidé de passer le voir. Oui, entrez. Bonjour Bertrand, excuse-moi de te déranger. Je pourrais te parler un moment ? Oui, mais fais vite, j'ai un rendez-vous important dans 5 minutes. C'est à propos de la prise d'otage d'hier. En quoi ça me concerne ? Le forcené qui nous a pris en otage cherchait le responsable de son expulsion. Oui, et alors ? Il avait trouvé refuge dans un vieux hangar désaffecté, qui avait récemment été acheté par le groupe immobilier 2000. Effectivement, nous avons plusieurs dossiers du groupe immobilier 2000, depuis quelques années. C'est une entreprise immobilière internationale. Ils ont des bureaux non seulement à Paris, mais aussi à Londres, à Rome, à Madrid, à Berlin. C'est donc bien toi qui as signé l'ordre d'expulsion des sans-abri qui s'étaient réfugiés dans le vieux hangar près de Montparnasse ? Les travaux doivent commencer dans moins d'un mois. Les locaux devaient être libres. Est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil au dossier ? J'aimerais vérifier quelques détails. Je suis désolé pour ta mésaventure d'hier, Nicolas, mais ce dossier est strictement confidentiel. Maintenant, si tu veux bien me laisser travailler. De toute évidence, Bertrand me cachait quelque chose. Je voulais en avoir le cœur net. Il fallait absolument que je voie le dossier immobilier 2000. Je suis tout de suite allé voir mon amie Sarah Tatouille, qui travaille au département informatique. Salut Sarah. Salut Nicolas, ça va ? C'est terrible ce qui t'est arrivé hier. Oui, je suis encore sous le choc. Tu as dû avoir une sacrée peur. J'avoue que je n'étais pas rassuré. J'ai un service à te demander, Sarah. Je t'écoute. C'est un peu délicat, j'aimerais mieux ne pas en parler ici. Est-ce ce qu'on peut se voir ce soir après le travail ? D'accord, je finis à 18h. Tu veux qu'on se retrouve où ? Disons 18h15 à la brasserie de la porte de Clichy. Ça marche, à tout à l'heure.